Et alors, j'étais sur. J'ai une application pour écouter de la musique qui s'appelle Tidal. Ouais. Je suis le seul utilisateur de Tidal en France. Sans doute, avec Jay-Z. Mais j'ai regardé. Tu es compositeur du morceau aussi. Tout à fait, tout à fait. Absolument. C'est important pour moi de. Mais c'est important de le dire surtout parce que je trouve que les prods de tes sons sont incroyables et je le savais pas personnellement que c'était toi qui composais. Donc je vois Xavier Demar aussi, c'est ton frère j'imagine. C'est mon grand frère qui met sur toutes les finitions, on fait de l'arrangement ensemble, quelquefois il compose aussi à partir de rien. Incroyable, franchement bah, bravo à toi parce que c'est un vrai tube que t'as composé. Et allez écouter, allez voir le clip de Enfant 2 qui est son nouveau single, qui est aussi exceptionnel que le premier et qui est même mieux selon moi. Voilà. Ah, merci Guillaume. Alors j'ai une question à te poser, quand t'as composé et quand t'as écrit Un jour je marierai un ange, est-ce que quand tu le fais à ce moment-là, dans ta démarche artistique de création, est-ce que tu sais que tu es en train de faire un tube ou tu te dis juste voilà, ce son il est sympa et peut-être qu'il va marcher mais peut-être pas? Bah, honnêtement pas du tout parce pas que c'est une bonne question. C'était pas une très bonne question. Ah, merde. Il t'a mis 3 sur 10 d'ailleurs. Non, belle question. Alors en fait, je m'en rends pas compte à ce moment-là parce qu'on sait jamais vraiment quand est-ce qu'on fait un tube ou non. Si ce n'est qu'il y a peut-être un format qui est plus propice à être écouté, il est accessible le titre et il commence sur un refrain. Voilà, il y a des petites clés comme ça, mais auxquelles je pense pas. Par contre, c'est le premier titre où je me dis vraiment tiens, ah ouais, je suis très très fier de ce que je raconte parce que ça me ressemble. Et je me dis, il me parle l'atmosphère, cette tendresse, tout ça, ce romantisme, il me parle. Et c'était la première fois que j'allais aussi loin, en tout cas que j'étais aussi près de ce que je voulais présenter au public, quoi. J'étais fidèle à moi-même. Et je pense que au plus on est fidèle à soi-même et au plus on a des chances de le faire, quoi, et de réussir à faire un tube. Pierre Demar est notre invité sur Europe 2. Franchement, bravo pour tout ce que tu as fait parce que franchement, tes titres, on sent que voilà, on sent que c'est pas un seul titre, on sent que tu vas cartonner, t'as un vrai univers autour de toi et t'es très jeune, t'as 21 ans, je crois. Absolument. Incroyable. Franchement, bravo à toi, Pierre Demar. Et on a un cadeau pour toi. Deux cadeaux même. C'est mon Fabonné. Alors d'habitude, c'est un énorme rat d'égout, il lâche pas un euro, mais pour toi, tu t'es dit, je vais casser ma tirelire. Pas du tout, c'est faux ce que tu dis. Les artistes viennent plus maintenant pour mes cadeaux que pour faire des lives. Alors, Pierre, déjà. Tu as un cadeau Europe 2. Alors pourquoi un cadeau Europe 2? Figure-toi que voilà, Virgin Radio est devenue Europe 2 et tu vas être le premier à avoir le pull collector. Tu peux l'ouvrir, je t'en prie. Merci, la boîte est très belle, logo aussi d'ailleurs. Donc garde la boîte d'ailleurs. Tu me diras, je peux peut-être la récupérer aussi. Mais ouvre-la, tu vas voir. Déjà dedans, tu as un mug, comme j'ai vu, t'as mis bien la tisane. J'adore. La petite gourde, tu as également un porte-clés pour tes clés dans ton futur appartement et tu as le pull. Vraiment très collector, très beau, t'as vu? Est-ce que tu as le petit... Il est marqué Tune Play. Ouais. Ce qui veut dire on joue des titres. Voilà, exactement. Dont le tien, du coup. Voilà. Et maintenant, on va passer. Il est magnifique. Ah, voilà, tiens, c'est bien. Et au cadeau, Made in Fabounet. Et tout le branding est très très beau, hein, c'est chic. Alors, c'est plus chic que Virgin. Tout le monde le sait. Tu as un chat, parce que tu en parles tout le temps. Lolita, absolument. Tu as même déclaré ton amour en chanson. Tout à fait, tout à fait. Elle s'appelle Lolita. Exactement. Et Lolita, il paraît qu'elle est un peu excitée, un peu comme un ninja. J'ai vu qu'elle sur internet. Alors, à l'époque, maintenant elle a 10 ans, elle devient amorphe. Ah, d'accord. Le problème de Wikipédia, c'est qu'il n'a pas été mis à jour. Donc, moi j'appelle ça un ninja d'ailleurs. Et regarde ce qu'on t'a trouvé pour ta petite Lolita. Regarde, non, un truc à gratter, Lolita. Alors, il paraît que c'est pour faire ses petites griffounettes. Ah, hein. Et une souris dedans. Ouais, une je suis passé chez Moustache, hein, c'est un magasin qui fait que des trucs comme ça. Alors, regarde pour la petite Lolita. Elle a même le petit truc pour récupérer ses crottes, c'est magnifique. je ne savais pas que ça existait. J'ai demandé les objets tendance, parce que toi, tu es dans la tendance. Le cigare à chat. Ah, j'adore. Alors, le cigare à chat, c'est de l'herbe à chat qu'il y a là-dedans. Il paraît qu'ils adorent mordre là-dedans. De, voilà. De quoi? De l'herbe à chat. De l'herbe à chat dans un cigare, voilà. C'est un cigare à chat. C'est de la drogue pour chat. Tu découvriras ça. Merci, waouh, c'est magnifique. La petite gamelle, bien entendu. Je lui ai pris un repas. J'espère qu'elle aime le canard génial. Et la dinde. Voilà. Tout ça, évidemment. Si elle pas, j'aime le bien. Moi. C'est gratuit, Lolita. Et on finit avec vraiment le petit bonus. La sucette souris, Lolita. Voilà, je ne savais pas que ça existait non plus. Là, vraiment, Lolita, elle va être contente que tu sois venue sur Europe 2. Hein. Non, mais c'est génial. Et tout ça s'appelle Lolita en plus. La marque s'appelle Lolita. C'est ouf. C'est pour toi. J'ai très peu d'originalité dans le choix du prénom de mon chat, donc. Très bien. Merci, c'est adorable. Vraiment, je ne sais quoi dire. Tu peux pleurer. Attends, cadeau, c'est pas une honte. C'est Lolita qui sera émue, je pense. Merci Pierre Demar d'avoir été avec nous. Merci infiniment. Je rappelle que ton album Regarde-moi sort le 27 janvier. Est-ce qu'il y aura des duos dessus, des featuring? Il y a pas de... J'aurais aimé, mais les stars ne m'aiment pas. Mais sur le deuxième. Je peux poser un couplet, hein, je suis dispo. Ah, tu sais quoi, viens chez moi ce soir, on s'arrange. Moi sur Snap, merci. Tu seras en tournée aussi à Annecy le 24 février, à Nantes le 3 mars, à Lyon le 16 mars, à Amsterdam le 29 mars et l'Olympia le 12 mai prochain. Bravo Pierre Demar et merci d'avoir été là. Merci à vous. Pierre Demar qui est nommé aux Victoires de la Musique également. Le Morning sans filtre jusqu'à 9h30 sur Europe 2.